Bonjour, moi c'est Yasmine Jeune-Francis, chargée d'orientation et d'insertion professionnelle à CYCRJ Paris Université sur le site des chaînes. Du coup, moi j'ai fait ma licence en lettres modernes option théâtre à CY, ce qui m'a permis plus tard de faire une formation de CIP, donc conseillère en insertion pro. Et j'ai intégré la fac en octobre 2023, donc c'est tout récent, ça fait moins d'un an. Mon équipe, on est 16, donc sur trois différents pôles. Il y a le pôle SCOSUP, le pôle relations entreprises et le pôle sur lequel moi je travaille, donc qui est l'OIP, donc orientation insertion pro. Je m'occupe des étudiants de la L1 au M2. Je les accompagne en individuel pour toutes les questions d'orientation. Donc quand on dit orientation, c'est réorientation au sein de la fac ou dans différentes facs, et orientation surtout pour les options, ces choses-là. Mais également sur un volet IP, donc insertion pro, pour tout ce qui va être recherche de stage, alternance ou alors les emplois pour plus tard ou pendant leurs études, donc tout ce qui est emploi étudiant. En parallèle, j'anime tous les ateliers collectifs en volontariat de la DOIP pour l'instant. Et avec mes collègues de l'IP, on anime aussi les ateliers dans les composantes sur la demande des responsables de formation. Nous, on organise notamment en novembre le forum de réorientation, ce qui permet aux étudiants qui sont rentrés à la fac en septembre de pouvoir se réorienter dès le premier semestre, soit en interne de CY, soit leur donner un coup de main pour s'orienter dans les universités alentour ou plus loin, peu importe, en fonction de leurs besoins et de leurs recherches. J'aime le fait d'être proche des étudiants. C'est vrai que, notamment par mon âge, j'ai une relation avec eux qui est plus simple. On peut échanger facilement et je suis au contact de gens tout le temps et ça, c'est assez agréable. Moi, je me suis mis depuis un peu moins d'un an au Pilates, donc c'est vrai que c'est récent. Hein, mais ça me permet déjà de faire autre chose en dehors du travail, de la vie de famille, tout ça. Et ça permet de me renforcer, notamment sur tout ce qui est équilibre, beaucoup, je tombe beaucoup. Et au niveau de ma ceinture abdominale, de renforcement musculaire, toutes ces choses-là.